Il me fait plaisir de vous présenter le numéro 18, number 18, Serge Savard. Merci, merci. Pour moi, c'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui. Je pense que c'est une récompense, c'est quelque chose qu'on ne demande pas, c'est quelque chose qu'on nous donne par mérite, ce que tu as accompli dans l'histoire du club de hockey canadien. Ça a été aussi pour moi un grand honneur d'évoluer aux côtés de Guy et de Larry. C'est le 18e chandail retiré, c'est un beau numéro, Guy. C'est un très beau numéro. Mais je voudrais juste partager avec vous... on a eu une très belle carrière tous les trois ensemble, mais Guy Lapointe évoluait avec les voyageurs. À l'époque, les voyageurs évoluaient au Forum de Montréal. Alors, le Canadien a décidé d'emmener Guy Lapointe avec nous pour une pratique un matin, puis on patinait autour de la patinoire, puis je dis à Guy, c'était Gum Worsley qui était notre gardien de but, vous connaissez tous Gum Worsley. Et j'ai dit, Guy, Gum Worsley, dans les pratiques, il aime beaucoup que tu envoies des lancers dans le haut du filet parce qu'il veut pratiquer ses top corners. Fait. Guy arrive, patine autour de la patinoire tranquillement, envoie un slap shot, puis Guy avait probablement une des meilleures lancées sur l'équipe avec Larry et Guy. Alors, il envoie un slap shot direct dans le haut du filet. Alors, Gump Worsley prend ses deux gants, on est à terre, part à courir après Guy, part à patiner après Guy autour de la patinoire. Alors, c'est de cette manière-là que Guy a été initié au club de hockey canadien. Moi, j'ai passé une carrière extraordinaire avec Guy et Larry. Et non seulement avec le club de hockey canadien, vous imaginez les années 70, lorsqu'on a gagné 4 coupes cette année d'affilée, 10 défaites, 11 défaites, 12 défaites. Vous pouvez imaginer l'atmosphère qui existait sur notre équipe à ce moment-là. Et Guy étant... un bout en train, il a probablement, avec John Ferguson, le record de joueurs de tour dans la Ligue nationale de hockey. Même à une époque, même voler les dentiers de quelqu'un, il les a envoyés par la poste à ce même gars-là qui a eu, je ne mentionnerai pas son nom, mais qui n'a pas eu de dentier pendant 3 jours. C'était le côté taquin de Guy Lapointe. La carrière de hockey... elle a été extraordinaire pour nous tous, et c'était un honneur d'évoluer avec Guy, les 4 Coupes Stanley d'affilée. Et aussi, Guy a été mon partenaire en 1972 à Moscou, Canada, la série du siècle. Et nous avons passé là des plus beaux moments de notre carrière, Guy, avec l'équipe Canada en 1972. It was a great privilege to play almost all my career, at least two-thirds of my career with Guy Lapointe. He's been one of the best offensive defensemen that we had with Larry. It's very hard to put a number one between those two. Larry was taller. But what a great career Guy had and we had with him. Team Canada 72 is one of my best souvenirs. And I play with Guy Lapointe. And Guy, son épouse a donné naissance... à un enfant, à sa fille, lorsqu'on était à Moscou, il était réellement déchiré de prendre la décision, est-ce que je dois rester avec l'équipe ou non. Mais cette décision-là de rester avec l'équipe a probablement fait la différence à Moscou en 1972. On n'a jamais parlé beaucoup de ça, mais ça a sûrement fait une différence. Aussi, one of the greatest moments that we have and also the best team ever formed was Team Canada 1976, and we all, three of us, we played for that team, and this is one of my greatest souvenirs. Alors, Guy, félicitations. C'est un honneur excessivement bien mérité. Merci.